só. Me saca a cana doa, doa vai polirar. Me saca a cana doa, doa vai polirar. Ô ministro, ô ministro, ô ministro, não pode justiça preparação. Me saca a cana doa, doa vai polirar. Jodi a la, c'est bureau avocat international yo, BAI. Ensemble avec plusieurs dirigeants, organisations parmi eux, initiative MPDP, Molegaf, nous venons là devant Pigou Base, soldats Nations Unies de PIA, pour nous dénoncer premièrement renouvellement mandat ministre en deux PIA. Nous renouvellement une autre fois encore, qui va le porter malais, qui va le porter humiliation, qui va le porter plus choléra. Et qu'à continuer que mes pays en bas occupation. Deuxièmement, nous venons là pour continuer nous-mêmes organisation. BAI Bigo, avocat international. Victime choléra au présent, comme nous capables de constater. Ensemble avec Molegaf, ensemble avec l'initiative MPDP Branche l'Ouest, nous venons demander justice et réparation pour toutes victimes choléra. Il est temps pour victimes de jouer une justice. Pas oublier de guerre dans le pays Irak. Nations Unies de concert avec. États-Unis te prennent toute disposition pour être capable de dédommager les gens qui sont victimes de la guerre, les impérialistes américains qui ont attaqué l'Irak. C'est même gens tout pour ne pas avoir de partisanerie. Il est temps. Donc, soldats de Balais qui ont la guerre matière fécale, la rivière Méhé, qui ont fait la choléra, qui fait jour aujourd'hui, qui ont plus passé 8300 personnes qui ont mouru. A plus passé 1 million de monde qui déjà infecté avec maladie ça jodia yo doit jouer justice réparation dédommager moun sa ou. C'est l'optique ça nous même organisation d'élite nous même organisation de combat nous voulons faire solidarité avec victimes yo pour demander justice si après nous voulons mandat ministre pour qui ça journée jodia là Nations Unies là accord de siège là qui fait mention de donc nous entente en termes de une commission de réclamation qui vous a dû mettre sous pied pour pencher sur ta victime. Yo. Nous, on va faire ça. Au lieu de yo pencher sur ta victime, c'est collègue qui a monté, c'est soldats des Nations Unies qui continue à massacrer les gens dans le quartier populaire, dans la section communale, et continue à participer à faire vieille élection dans le pays pour capable mettre des dirigeants fantoches. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas baisser les bois. Il y a un renouvellement de la ministre, nous profiter de ce ça pour dénoncer le renouvellement. Et nous profiter de ce ça pour nous dire, 19 octobre 2015, pour faire exactement 5 années depuis le choléra, après le mandat, en plus de nous mourir, il n'y a pas jamais d'accord de dommager. Et nous avons dénoncé tout. L'État haïtien qui va jamais servir comme avocat victime, mais il a toujours servi comme avocat Nations Unies, nous prenons des fonds, nous protéger. Sans qu'il y ait victime, il ne va jamais toucher Kao. Nous n'avons pas l'État, nous n'avons pas dirigeant dans l'État, c'est l'État reste avec, capoter projet, que de puissance impérialiste. Et fait certain nous présents, bataille pour victimes de choléra. Avec BAI comme bureau avocat, capoter dossier sur le plan juridique, avec organisation d'élite, pour l'initiative MPDP Branche l'Ouest, pour Molegaf, nous continuons à mobiliser pour demander justice. Accréparation pour toutes victimes de choléra. L'hôpital nous devons aller 8 jours dans l'hôpital, nous pas de chambre carbone. Malgré ça, avant de la confinement qui mourit dans la caille nous. L'élément qui mourit, nous avons une machine pour nous mettre dans notre petit corsier, il y a choléra. L'arrivée juste en l'air, en vendre si j'ai une moto pour mettre dans la rue Fon Cheval pour nous arriver, nous balayer avec. Laisse ça qui te décès, c'est pas bien. Après ça, on prend nous dans la caille, depuis que nous là, tout sorti dans nous balayer. Qui c'est qui s'occupe de la justice, réparation pour victimes.
Haïti, à bon ministre, à bon choléra, vidéo Haïti et dépendant. Et ça nous m'a dit. 19 octobre, nous avons une grosse manifestation, une grosse marche qui a rassemblé depuis le Fonds National. Nous avons passé devant le ministère de la Justice pour aller pour un groupe de monde qui veut descendre devant primature pour demander justice, réparation pour victimes choléra. Et puis, je n'ai pas papa, maman, famille. Je n'ai pas un patient qui est mort dans la choléra. Et puis, le ministère a violé les gens. Nous avons eu un bon gars de pays. Le ministère a violé et volé les gens. Il fait qu'il y a des gens qui sont pas qu'il y a des gens dans la caille. Et nous avons demandé pour le ministère de dommager nous. Nous avons demandé justice avec le ministère. Nous avons demandé à battre le ministère. Nous avons dit qu'on cheval soumis au balai. C'est militant pour les gars. Nous réunissons aujourd'hui là devant leurs besoins pour nous faire connaître, nous demander des dommages victimes choléra et nous demander pour le ministère aller sans printemps. C'est ça, nous pouvons dire devant leurs besoins là. Merci beaucoup. Madame, je vais passer en bas de choléra. Nous avons nos victimes en bas de choléra, nous avons demandé justice à réparation pour que nous ayons des ministres. Il ne va jamais faire rien, au contraire, qui est complice. Nations Unies pour question choléra, c'est pour rappeler tout. Et Nations Unies, 5 ans après, victimes yo, et pas oublier. Et yo dit, pas oublier, pour te max songer. Donc nous, là matin, hein, avec victimes qui sont dans le Mirbalet, qui sont dans Sodo, dans la chapelle, dans Boucan Carré, qui vous venez dire, gouvernement haïtien, hein, yo pas oublier, et yo pas suspendre la bataille. Et tout côté, que ce soit New York, en Europe, nous parlons pour aller tout côté avec eux pour que Nations Unies dédommage yo. Donc c'est, nous avons dit, anniversaire ou bien gros maladie ça et m'a dit épidémie épidémie pas comme ça épidémie fait pour tout médecin comme ça donc pour malfaisant ça pour malfaiter ça et Nations Unies ou bien soldats n'est pas là te fait nous là pour nous dire nous pas oublier et n'a continuer bataille là que soit dans tribunal ou bien sous béton 5 ans après pour c'est il y a des procès pour un pile temps donc tout côté tout partout même des agents ou bien des employés et de la ministre et qui n'ont dans les Nations Unies, ils ont même porté plainte contre les Nations Unies parce qu'ils ont une image en tant qu'employé des Nations Unies, l'a dégagé. Normalement, nous pensons que c'est un bon avancé. Pour y aller, la bataille pour jouer une réparation, nous la donnons dans le coup d'appel dans New York. Côté que nous avons demandé pour que les Nations Unies aient fait argument qu'elles aient une immunité, nous d'accord, les Nations Unies ont une immunité. Et nous connaissons le loyer et nous connaissons accord de siège. Nations Unies signent avec l'État haïtien. L'article 55, l'article 54 là-bas aux immunité, mais l'article 55 dit qu'il faut mettre une commission de réparation. Est-ce que 11 ans après, nous-mêmes qui journalistes la disent, si nous connaissons une commission de réparation que Nations Unies, avec le gouvernement haïtien, mettait sous pied pour les gens qui sont victimes de viol, les gens qui sont victimes de choléra, les gens qui sont les cabritio, ok, parce que côté au bras pour une réparation. Ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé. Donc dans ce sens, ça veut dire nous là, nous disons notre bataille et nous continuons la bataille jusqu'à ce que la dernière victime joigne le dernier centime dans les Nations Unies. Je vais l'inviter très prochainement, je vais l'inviter la presse pour nous présenter des petits mouns, des petits mouns ministres qui sont sans papa, qui n'ont pas de papa avec eux. Ils n'ont pas à l'école, ils n'ont pas à l'hôpital, ils n'ont pas à l'hôpital. Nous avons fini parce que nous avons sous nos pieds Nations Unies tout pour les petits mouns qui généralement. Une organisation comme Nations Unies qui a fait promotion pour les droits humains, et je vous dis à celle qui a violé les droits de Timounio. Timounio qui n'a pas de papa pour aller à l'école, qui n'a pas de manger pour manger, alors que c'est qui est responsable sous le monde. Donc nous allons interpeller les Nations Unies encore sous cas ça. Nous allons porter le dossier à venir. Nous allons porter le dossier et nous allons parler à la presse. Et nous présenter aux quatre sous-tables situation, tribulation, série de mamans qui vivent avec le conseil de Timounio. D'abord, nous avons Timounio tout rouge, je vais aussi haut. Alors, votre papa, yo. Qui je vais faire par l'école, il y a 5 ans. Donc tout ça, c'est des batailles qu'on a prises pour que les Nations Unies, force illégale, ça, force d'occupation, hein, dédommager ou bien prendre responsabilité. Et les gens qui mènent une barre ici, c'est pour prendre responsabilité avec nous. Que ce soit un pays impérialiste, les États-Unis, le Canada, la France, c'est pour prendre aider. Je ne suis pas d'accord pour faire un argument pour dire si les Nations Unies dédommagent les victimes, ils ne existent pas. Il pas normal. Il ne pas dire ça parce que les victimes ont des droits. Est-ce que c'est parce que c'est haïtien ou bien est-ce que c'est parce que c'est noir? Donc, nous disons, la Nations Unies a fait promotion pour les droits humains. Eh bien, haïtien, c'est humain. Les droits humains, c'est un mec universel. Eh bien, il est pour haïtien tout. Aussi simple que ça. Enfin, pour eux, jusqu'à ce que le peuple prenne conscience, peut-être, jusqu'à ce que le peuple bataille, ils finissent avec comme gouvernement ça. Et pour qu'on compte sous le doigt, quelques gouvernements, pour dire, c'est estimé, gouvernement Aristide, qui généralement,
prend position pour peuple. Après tout le monde, c'est des agolorailles. C'est le monde qui compte peuple là. C'est le monde qui l'a pour impérialisme. Et on a une élection pour l'IA. On pas attendre un candidat parler des questions choléra. On ne peut pas prendre compte de parler de questions de souveraineté pays. On ne peut pas croire que le peuple, c'est le peuple qui a voté. Il connaît ces blancs qui ont mis au pouvoir. C'est avec l'argent droit qui a pris le pouvoir. Donc dans ce sens, on ne peut pas attendre rien sur la question choléra. Pas qu'il y ait rien sous souveraineté pays.